Salut tout le monde! C'est Thomas Sonny. Avec mon cas. Salut tout le monde, c'est Thomas Sonny. On se retrouve aujourd'hui avec Shino Ibankai sur One Piece Pirate Wars 2 pour un multi avec lui. Salut. Bonjour. Ça va? Salut toi. Alors on se retrouve sur le jeu en français. Première vidéo sur ma chaîne avec le jeu en français. Oh. Ouais, je sais pas si tu étais au courant. Non. Et donc, ben, vous allez voir, vous allez apercevoir mon niveau de merde. Enfin, que j'ai pas beaucoup avancé sur le jeu en français. Par contre, mon cas, lui, il a séché le jeu. Ah non. Donc voilà, j'ai tous les persos niveau 1 quasiment. Oh là là. Sauf Kuzan. Kuzan. Y'a que Kuzan qui est niveau 27. Kuzan. Donc, on va choisir une mission. Alors, j'avais dit laquelle avant de commencer? On l'avait même pas choisi. Si, j'avais choisi, mais je t'avais. J'avais dit celle-là, je crois. Ouais, celle-là. Et donc, Bankai, lui, il va prendre un perso niveau 50, pas niveau 100, parce que je vais mettre la mission en difficile. D'accord. Mon placement privé, ouais, et puis voilà. Je me suis fait démonter par la moustique, cool story. On s'en fout de ma vie. Hein. Elle est nulle ma vie. Oh, putain, t'as encore les larmes aux yeux. Ah bah ouais. C'est tout le temps ça au début de vidéo, de toute façon. Allez. Emplacement privé. Ouais, cette fois ça va. Je vais réussir à rejoindre facilement. Alors, un niveau 50. 50. 50. 51. Oh, les pastilles, ça. C'est de Marseille. Oh putain. Bon, j'ai pris un Okiji. Non! Attends. Kuzan. Quitte, je voulais pas prendre un Okiji. Oh putain. Vas-y, on fait vite ça. Je prends qui? Ouais, je m'en fous, c'est toi. Je prends Q. Ah là là, les abonnés vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, qu'est-ce qu'il a, lui? Je prends Marco, vas-y. Et niveau 1, mais je crois qu'on peut lui augmenter les niveaux. Ouais, après, ouais. Non, tu peux pas en ligne. Sérieux? Ouais. Bon, ben. Crée la partie, invite-moi. Tu prends la mission en 2-1. En difficile. Créer. Principal 2. 2-1? Chapitre 2-1. Non, 1-1. 1-1. Chapitre 1-1. 1-1. 1-1. L'invasion de l'Alliance des Pirates. 1-1. Bon. Qui prendra? Hop. Voilà. Difficile? Ouais. Difficile. Ok. Toi, tu commences, moi je termine. Alors, on va pouvoir admirer le classement. Ouais. C'est fou ça, le mec qui a 15 millions de points, je sais pas. C'est grave, c'est abusé. Ouais, c'est vraiment, je sais pas, voir, il a dû faire un truc ou quoi pour... Ouais, c'est impossible, 15 millions. Ouais, c'est pas possible, je sais pas. Enfin, moi, ça me paraît impossible en si peu de temps d'avoir 15 millions de points. Sachant que le deuxième, hein, le deuxième a... Il doit avoir dans les 200 000. Il a 1 million. Ouf, je pense que c'est possible par contre, oui, ça. 1 million, c'est possible, mais 15 millions, ouais, ça va. Ça, les mecs. Tu me prends pas pour un con, moi. Allez, rejoins. Je te plante. Tu m'as invité? Oui. D'accord. Shinobi Banquet. Aïe. E. Aïe. Je suis désolé, mais le AI, ça se prononce E, d'accord? Non, en japonais, c'est Aïe. Je suis désolé, on n'est pas au Japon, on est en France, ici. Bon, cry. Le jeu est en français, d'accord? Ok. Ok. Allez, je vais prendre Marco. Ouf. Marco de Phoenix. Tout à l'heure, j'ai bloqué Crocodile en plus. Oh, Crocodile. Oh putain, la blague qu'il nous avait fait en plus. Ouais, Nami. Nami petite. Non, je suis pas ton ami, je suis désolé. C'est trop nul. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais je sors des blagues vraiment pourries. Mais c'est juste hallucinant. On a l'habitude.
comme soutien, je vais prendre la petite Elobi. T'as que des petites, hein. Alors là, je vais prendre, vu que là c'est en français, maintenant je vais pouvoir me... Les dégâts de genre... Bon, la vidéo elle a duré depuis un quart d'heure, on n'a même pas commencé, tu vois. Attends... Voilà, les boucliers peuvent détruire, c'est ça que je voulais. Après le reste, je m'en tape, je vais mettre ça. Ah putain, mais tu peux regarder. Je vais mettre, j'ai pris Marco. Et tu vas parler de S en soutien. J'ai pris Chopper en soutien. Ça a rien à voir, mais. Je sais pas, mais j'ai que ça de toute façon. J'ai pas encore commencé les missions, tu sais, journal annexe, je sais pas quoi là, mission annexe. Ouais. J'ai pas encore commencé, du coup, ben. Alors moi, ben moi j'ai piqué la paix d'un ami. Bah écoute, petit. Avec Marco tu peux passer ton permis d'avion. J'ai pas aimé son gameplay du tout. Bah écoute, moi je l'aime bien, mais j'arrive pas trop à jouer avec. Piloter. Voilà, le pilotage est vraiment compliqué. Hein. On sent que le pilotage, il faut avoir un bac. Voilà, Jack Mizu, il sait pas conduire en avion, je le vois pas avec Marco, le type. attends. Non, franchement, c'est stylé le costume de Nami Petite. Je kiffe. Nami Petite ? Ouais. Comment ça ? J'ai le costume Expert. Ouais. Ah, mais je le vois en plus. Ah bon ? Ah ouais, bah ça c'est cool. Hein. Bah, dans le 1, on voyait pas les gens qui mettaient les. Ouais. Peut-être parce que tu l'as acheté, non ? Non, je l'ai pas. Enfin, je l'ai pas encore pris. Ils sont gratuits ceux-là, non ? Oh, oui, t'as juste allé acheter à la boutique Berry. Non, autre. Ouais, bah je l'ai pas encore celui-là. Il y a aussi pour Robin 2 ans plus tôt, c'est en mode. Ah ouais, avec. Miss All Sunday, tu sais, tout ouais, en blanc et tout. Trop stylé. Ça dégage. Parce que je sais pas d'où ils sortent la Nami avec la tenue rose, tu vois, franchement. Ouais, je sais pas. Il me semble que c'est peut-être Alabasta, je suis pas sûr. Je sais plus. Putain, c'est que ça date alors Alabasta. Ouais, ça date grave. Ou Ezoro, c'est de Enyas Lobby, je crois. Ah bon ? Ouais. Pourquoi il a une tenue normale ? Il a une tenue à peu près pareille. Ouais. Il me semble. Parce que moi, ce que j'ai aimé dans le 1, c'est genre. Tu sais, en mode histoire, tu pouvais. Genre, tu vois une amie avec les chapeaux de Luffy et tout. Ouais. C'est stylé. C'est vrai que c'était stylé. C'était. Mais ça, c'était avant. T'as Marco, je sais pas, j'arrive pas à me sentir à l'aise avec ce perso. Ah, je déteste son gameplay, franchement. Moi, je dis pas que je déteste, il est cool à jouer, mais je sais pas, moi, je suis pas à l'aise. Moi, j'aime pas du tout son gameplay. Fais ton choix, hein. Ouais. Alors, T'es un perso que t'aimes plus que les autres sur le 2 ? Moi ? Ouais. Ouais. Ça serait qui ? De Flamingo. Non, je le mec, en exclu et tout. C'est-à-dire, dans le 2, le perso que... Ouais, le perso que t'as bien aimé. Que j'ai bien aimé, hein, juste bien aimé. En gros, le perso que tu kiffes le plus dans le 2, quoi. Bah, je sais pas, franchement, je sais pas. Le champ perso favori, c'est Ace, non ? Du manga, ouais. Après, dans le 2, c'est pas le perso que je joue tout le temps, quoi. Comment t'as dû être vénère ? C'est dans le 1, surtout, que je l'ai séché Ace. Après, vu que dans le 2, c'est combo, c'est, tu vois, c'est un peu la même chose. C'est les mêmes, non ? Ouais, c'est les mêmes, avec quelques petits changements, en fait. Il a 2-3 coups en plus, vite fait. Moi dans le 1, je l'avais jamais joué le S. Ace, jamais je l'ai joué. Ah moi je l'ai séché. Pour ça, quand j'ai vu pour la première fois ça, dans le 2 sa technique le... Entei ? Ouais, la grosse boule de feu là. Ouais. J'ai kiffé franchement. Ah ouais, je me doute. Elle est belle en plus. C'est vrai. T'as la deuxième technique de Marco, j'ai l'impression qu'elle a pas beaucoup de portée. Ah sinon j'ai rien dit. Thomas ferme ta gueule la prochaine fois. Hop là, t'es un ami franchement, faut attaquer de dégâts, c'est abusé. Oh, on peut la charger cette attaque ? Ah, non, je sais pas. Je suis en train de découvrir des choses avec Marco là, je sais pas. Tu l'as pas beaucoup joué aussi Marco, non ? Non, j'ai... Bah écoute, je l'ai joué juste pour la présentation des combos.
J'ai joué une partie avant pour connaître tes combos, et puis après j'ai fait la présentation des combos. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ça va, t'as pas joué beaucoup. Non, j'ai fait deux parties avec. C'était stylé en plus la présentation des combos, fallait le trouver. Bah ouais, en plus, dis-toi, j'avais ça en tête depuis déjà le premier épisode du Let's Play, donc... Bah ouais. C'est vrai que c'était bien de montrer les combos, en plus le jeu était pas encore sorti en France du coup. Par contre, c'est abusé au début, tu sais, quand la One Piece est sortie, il y avait plein de vidéos de One Piece, maintenant... Je trouve qu'il y en a plus, quoi. Il y a GTA 5 qui est sorti, ouais. J'ai envie de te dire. GTA 5... Et puis... Je sais pas. C'est tout, hein. Ouais, c'est tout, il y a eu que GTA, je crois, de nouveau. Bref. Mais ouais, c'est vrai qu'au début... Mais il y a pas mal de Let's Play, il me semble, sur le jeu en français. Je vais tenter de le faire, mais... Enfin, je vous le laisse, quoi, parce que je l'ai déjà fait en jap, du coup... Puis même... Perso, j'en ai pas trop vu. Je sais que moi... Il y a Dylan, il y a... Non, il cousait... Non, il a pris... Non... Bon, après, il y a des gens que tu connais pas, sûrement. Ouais. Il y a pas, peut-être pas que des gens que tu connais, tu vois. Bah oui, normal, je connais pas tout le monde. Il faut aller où, là, putain? Écoute, moi je me régale, je fais 650 kills pour l'instant. Ça va. Et toi? 400. Mais ça va, tu es sûr que tu veux faire le concept avec moi de... Mais oui. Parce que là je viens de faire 128 kills en une technique. Ah, mais on n'a pas le même perso, je te rappelle, moi j'ai pas de portée. Mais... Ah oui, c'est vrai. Mais ça va, tout à l'heure t'avais Perona niveau 100. Oui, mais Perona elle a pas de portée dans les combos carrés. Mais t'as les combos triangle, après tu fais R2. Je kiffe pas trop les combos triangle, François. D'accord. C'est vrai que son R2, il est stylé. Mais surtout quand tu fais triangle d'abord, ouais. Sinon il sert à rien. Ouais, je fais triangle, moi, triangle, carré, tu sais, quand il y a la géante Perona, là. Ah ouais. En mode après, éveille. Elle fait un truc de feu, je crois, non? C'est la deuxième technique, ça, je sais plus. Il y a la première technique, c'est le Ghost of Mastolaiden, tu sais, c'est quand elle danse, elle envoie le holo. Ouais. Et la deuxième, c'est quand elle... l'Astral Explosion, tu vois, c'est une géante Perona qu'on voit Ouais. J'ai un holo et ouais, il y a du site de feu à côté. D'accord. Bah merci Bankai pour cette information, on se retrouve juste après une courte pause. T'es où toi? Sur la carte. Non mais je te vois pas sur la carte. Vers la gauche. Je sais pas si tu vois là. Je suis vers la gauche, tu sais où il y a les deux territoires qu'on a capturés. Ouais, bah attends. Parce que je vois pas ce qu'il faut faire, franchement, dans ce truc. Ouais, moi non plus, je vois pas trop là. Mais moi, c'est une mission qui m'a fait délire, elle, hein. Elle dure 30 ans et pourtant, tu dois rien foutre de... C'est vrai. Mais j'avais envie de faire celle-là. C'est tout. Je fais celle-là. Voilà. Je fais celle-là. Voilà. C'est tout. Pour le moment. C'est tout. Bon. C'est dans quoi, ça, déjà, putain? C'est Christory. Ah oui, c'est vrai, la voix. Je suis pas fier de dire que je connais ce Christory, mais bon. Ah, c'est connu quand même, faut arrêter. Bon, ça va, j'avoue, je regarde tout le temps. Les posters. C'est le gars, il cède en 2 secondes, tu vois. Ça va, j'avoue, c'est ma vie, c'est... je regarde tout le temps. Ah, c'est sauvère là. Oh, il y a Wapol, le gros porc. Wapol. Je l'aime pas, Wapol. Ah, t'as fait une technique là, non? Wapol, l'hippopotame blanc. Putain, t'es un bolide, c'est pas possible. De quoi? T'es un bolide, toi, t'es un saut de partout. Tout. Et ouais, je suis un avion. De chasse. Sûr il est balèze Marco dans la nuit. Ouais, mais attends, on a vu sa puissance un peu quand même. Hein. Un petit peu, c'est pour ça. On a, on a pas vu grand chose. Mais vu que c'était le... Comment on appelle ça déjà? Le chef de la première, je sais pas quoi là, de Barbe Blanche. La première flotte de Barbe Blanche. Voilà, et ben c'est obligé quoi. Moi, le truc qui m'a le plus choqué, c'est que Ace était plus fort que Luffy. À Marineford? Bah oui. Ou... Ace il est plus fort que Luffy quoi, y'a pas à chier. 2 ans plus tard, je sais pas. Bah s'il serait vivant, sûrement. Parce que... Bah maintenant il maîtrise le haki, je suis désolé. Et alors Ace, t'as vu quand il était petit avec Sabo et tout? Ace il avait le haki des rois, il l'a déjà utilisé quand il était petit. Ça je m'en rappelle plus. En fait, il y avait des genres de... Tu sais, dans ce flashback, là, au moins, il y avait des pirates, ou des racailles des plaines, là. Ouais. Tu sais, à un moment, ils ont chopé Luffy et S,
Ace, il a fait comme Luffy, tu vois. Je m'en souviens. Et alors, c'est pas parce qu'il a le Haki des Rois que ça y est, c'est la fin. Ah, mais faut être balèze quand même pour avoir le Haki des Rois. Une personne sur un million, je crois. Si, il a le Haki des Rois. Ouais, bah Luffy, par contre, j'ai kiffé quand même l'utiliser à Marineford. Ah ouais. Et puis tout le monde tombe comme des merdes. Tout le monde était choqué. Le pire, c'est. Vas-y, montre-moi tes fesses. Mais. Enlève tes lunettes. Voilà. Voilà, merci. Ouais. C'est quoi ton select à toi? Voilà, mais okay, voilà. C'est dégueulasse. Non, comme ça. Voilà. Attends. Bon, interdit au moins de 18 ans la vidéo. Bon, bon bref. Tu te rappelles, on avait fait le duel de Katana, la vidéo de Naruto pour rien. Ah oui. Ça t'avais arraché toute ta vie, tu sais. Ouais. Comme Krieg. Voilà, donnez-moi votre vie. Votre life. Tu regardes les scans, toi, de One Piece, par contre? Ouais. C'est bien ou pas? C'est intéressant? Ah, c'est excellent. J'aime l'actuel. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à... Pas les dessins, mais c'est trop rempli, les pages, tu vois. C'est vrai que par rapport à, par exemple, Bleach ou Fairy Tail ou Naruto, ben, les scans sont un peu plus... Mais moi, personnellement, je trouve ça beau, quand même. Mais, enfin, ça reste potable. Ça reste potable. Oui, ça se lit, franchement. J'ai regardé un scan, laisse tomber, je comprenais plus rien. C'est encore à peine 15 heures. C'est vrai que quand j'avais commencé les scans, j'avais été un peu perturbé. Hein. Mais voilà, ça... Tu penses que par rapport à l'anime là, c'est bientôt fini l'arc Penkazard? Ils en sont où à l'anime? Alors Moni vient de se faire battre par Zoro. Et il y a Smoker qui est en train de se battre contre j'ai oublié le nom. Virgo. Luffy il est avec Momonosuke. Ouais, ah ouais, bah... Il est en train de remonter la décharge. Ouais, c'est pas encore... Ah oui, il en est là. Ouais, ça va pas être encore très 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 long non plus. Et encore, je trouve ça sympa quand même comme... Oh, t'es un trésor en vie. Je trouve ça sympa encore, moi, comme... Comme vas-y, c'est mon trésor. Ah, il y en a qu'un qui peut le prendre. Bah oui. Arrête. Vas-y, je cours. Oh, la course. Je te rattrape. Je sais même pas où il est, le trésor. Vas-y, arrête de faire le malin, voilà. Il est où? Il est où? Tu cours trop vite. Oh putain, il est là. Il est où? Non. Je l'ai pris. Il est pour moi. Ah oui, il y a Okuzu qui va ramener sa gueule après, là. C'est ça? Merkuzan qui va venir, Kuzan. C'est quoi ce nom? Kuzan. Moi je pensais qu'ils allaient mettre Aokiji, après quand j'étais à la Japan Expo que j'ai vu qu'il y avait marqué Kuzan. Tu vois, au début je me suis dit ouais non mais c'est parce que c'est une version des une version démo, ils vont mettre Aokiji et tout, mais non, Kuzan. Ouais, moi je dis ça parce que j'ai l'habitude de dire Aokiji. Comment tu cours trop vite? Tu es à fond, tu mets un trou. Pas ma faute si tes seins ralentissent ta course. Je ramasse tout, les pièces et tout. Je te laisse rien du tout, tu vois. Pour une fois que tu ramasses. Eh ben ça va, hein. Encore? Ils sont là. Non mais t'inquiète, Okiji va venir faire la fiesta. Oh, c'est vrai. Oh, le Sunigo, il est là, le Sunigo au Barachi. c'est pas le Barachi ici. Eh, ça ressemble, hein, je suis désolé. Oui, t'as vu, moi aussi je me suis fait avoir. Mais je sais pas où c'est. Hein. Ben ça doit être un endroit, c'est un peu comme... Comme l'endroit, tu sais, qu'on connaît pas, elle ressemble à l'île des géants. Ouais. Tu sais, des deux géants là qui se battent. Ouais, putain, mais eux, laisse tomber, mon fils. Je les ai bien aimés, eux. Après, je sais pas, le sol et tout, c'est un peu le même que le Baratiu. Donc, je me dis, ouais, ça doit être un endroit du Baratiu. En plus, c'est tout cassé, comme le Baratiu. C'est Don Krieg, tu vois. Bon, t'en as entendu parler du One Piece sur 3DS? Ouais, machin, ouais, je sais pas quoi là. Je regardais, ça a l'air bien, franchement. Ah ouais, il a l'air super bien. Le scénario il a l'air stylé. Me le choper ou quoi le jeu, peut-être faire des vidéos dessus si je peux. Parce comment que tu peux le faire? Yes. Je sais pas, je vais voir. Honnêtement, je sais pas. Bizarre. Bon, on se le démonte à deux ou tu me le laisses ou je te le laisse? À deux. Ça va. Tu l'enlèves à moitié de la vie, j'enlève l'autre moitié, ok? Ok, je fais une TS à deux, tu fais une TS. Vas-y, je m'assois. Là.
Ça va le canon, il est pas trop grand, sérieusement? Quel canon? Là, là. Quel canon, tu le vois pas? Putain, oh. Comment tu fais pour... Putain, j'en veux. Ah, mais c'est pas ça, avec... j'avais la caméra qui était du l'autre côté. Cousin. Comme ça. Cousin, il est là, cousin. C'est qui ton amiral préféré? Kizar. Attends, je commence. Vas-y, arrête de bouger. Dans le manga. On parle bien du manga, j'espère. Ouais, ouais. Ben ouais. C'est Kizar. Vas-y, attends, c'est une TSA 1. Et dans le jeu à jouer, c'est à Aokiji. Mais je pense que ça, je même pour te le dire. Ça y est? Voilà, à toi. Merci. T'es où? C'est parti. Pourquoi tu tapes dans les... Dans les... Si tu tapes dessus, je suis désolé, alors tu te tais, ok. Oh, vas-y, il m'a mis un glaçon. Ah, pareil. Mais non, c'est moi qui m'a mis en glaçon, toi t'es pas en glaçon. Moi aussi, il m'avait mis un glaçon, putain. Putain, je l'ai pas touché parce qu'il a fait du moonwalk. Ah si, je l'ai touché. Tu le tapes depuis tout à l'heure? C'est bon, je le tue, c'est bon. Oh, mais vas-y, laisse-moi le. Trop tard. C'est moi qui... Ah, mais Nami, c'est trop stylé, elle se téléporte et tout grâce à son pouvoir. Ouais, grave. Voir des bulles. Et voilà, ben on a fini la mission, écoute. Bah ouais. Ça va, ça va, ça va, Bankai. Ouais, ça, ça va, ça va. Ça va. Ça fait combien de tuer? 1000. Je sais plus, 1000. 1100, un truc du genre. Quand même. Toi? 713. T'as un loutro, elle est stylée par contre, de. Ah, c'est, c'est laquelle? Je sais pas, il atterrit en mode. Quoi, il fait un atterrissage d'avion, quoi. Oh, putain. Et donc, niveau. Je sais pas si je passe niveau 28, bref. Augmente légèrement la durée de paix du Toblasso. J'ai débloqué des trucs là, mais bon, je m'en fous. Bon, ben voilà, on a fait une petite mission, je pense que. C'est bon. Une petite détente, on a pas. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de. Des scans aussi hein, en vidéo. Bah ouais. Bon, on a rien spoilé, je pense. Ouais, non, on a rien dit. On a juste parlé des épisodes, ouais. C'est... Bon. Voilà. Écoute, j'espère que ça t'a plu. Bah ouais, merci à toi. En plus, première vidéo en français sur ma chaîne avec toi, donc c'est. Quel honneur. En français, avec le jeu en français, parce que en français. C'est en français. Et bonjour Et bonjour, avec ton matin. Et bonjour, ton matin, vidéo. La vidéo, ton la chaîne. Bon, bah écoute. Ouais. Je te remercie d'être venu pour cette vidéo détente, enfin, pour ce multi avec Shinobi Bankai, parce que je sais pas, les gens ils ont l'air de croire que en fait c'est le concept s'appelle multi avec, tu vois. Bah voilà, ça va être un concept. Bah écoute, bah, je vais l'appeler comme ça. Et puis voilà, je te remercie encore et puis on se dit à plus pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, un autre jeu, on sait pas. Okay. Bon. Bref, bye tout le monde et puis allez vous abonner à la chaîne de Bankai, le lien de sa chaîne est dans la description. Ouais, la lien de son chaîne est dans la description. Jetez-y un œil et abonnez-vous à sa chaîne si ça vous intéresse. Ouais. Il fait du One Piece. Tu fais du One Piece, tu fais quoi encore? Tu fais un peu de tout, du manga, quoi. Et puis voilà. Et puis les liens Facebook, Twitter de mon Twitter, mon Facebook, c'est dans la description aussi. Et puis voilà. Bref, bye tout le monde et puis à la prochaine. Diana. Yeah.